Bon ben, coucou tout le monde. Ce soir, petite pêche au jig et au ténia. Là, j'ai pris deux cannes. Une canne télescopique et ma canne pour pêcher au ténia. J'ai quand même pris une épuisette avec, parce que je vais essayer de pêcher à la crevette. Je me dis peut-être ça va peut-être marcher pour le bar ou pour autre poisson, qui sait. Là, je vais faire pas mal de postes différents. J'entends que la nuit tombe pour chercher mes crevettes. Voilà. On verra bien, on va essayer. Et tout à l'heure, les amis. Bon, mes amis, bah là, petit digue. Voilà, un digue de 10 grammes. Bon, les amis, bon, on verra bien s'il y a du pigeon à faire. Qu'un merlan, franchement, pas mal de touches au ténia. Mais le problème, j'ai plus de crevettes et l'eau elle est super crade. Alors on peut même pas prendre les crevettes ni rien, alors c'est compliqué. Voilà, je vais essayer au jig, après je vais essayer au leurre, et après bah, s'il n'y a pas de poisson, ben voilà quoi. Alors moi j'ai essayé sur l'honneur. Bon, pas tout à l'heure. Bon bah les amis, là je suis en jeune de pêche. J'ai fait quelques crevettes, pas non plus folichon. J'ai une belle tape à peine arrivée, que bah, je fais quelques crevettes fraîches, bien sûr, mais c'était pas dessus. Elle a joué avec, mais elle l'a pas complètement pris. J'ai remonté et ma crevette était dessus, quoi. Et je pêche aussi au digue, et voilà quoi, les amis. Bon, tout à l'heure, c'est du nouveau. Et là, les amis, je suis en train de mettre petit ténia avec une crevette. On va essayer, on verra bien. Si ça fonctionne, les amis, on verra bien. Bon, bah, tout à l'heure, c'est du nouveau. Bon, bah, les amis, des belles tapes hein, à la crevette, mais que dalle. Là, j'ai remonté ténia. Il s'est fait défoncer, les amis. Voilà, je peux recommencer, mais bon, on essaye, on verra bien. On verra bien si je vais faire du bon poisson ce soir ou pas. Et bah, je vous dis quoi après, les amis. Hein. Et l'eau, par contre, elle est super, mais super crade, les amis. L'eau, elle est noire de chez noire. Même pour les crevettes et tout, c'est pas facile à les faire. Je sais pas si c'est l'eau qui fait ça. Mais franchement, l'eau, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Mais bon, on verra bien. Bon, à tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, j'ai cassé un ténia. Je viens de remonter ma canne. J'avais mis une crevette fraîche. Voilà. Un gros crabe vert. C'est un peu chiant. Voilà, je fais que ça, que du crabe vert. Mais bon, on essaye. Là, j'ai cassé un ténia, un 5 grammes. Mais je crois que là, c'est de ma faute parce que quand je l'ai lancé, je l'ai mal mis. Et le ténia, c'est un peu pareil. Ça, c'est de ma faute, c'est pas grave. Là, je vais pour remettre tout ça à l'eau, et ben à tout à l'heure. J'espère que je vais faire du beau poisson ce soir. J'espère quand même. J'ai pris quelques leurres avec des digues pour essayer un petit peu, mais c'est mal parti, les amis. Je vous le dis, très mal parti. Mais bon, là, je vais faire montrer comment monter une crevette sur un hameçon. Hop, mon petit sac de crevettes.
En crevette, il n'y a pas grand chose, les amis. D'habitude, il y a pas mal de crevettes à faire et tout. Mais là, avec la flotte et tout, mais l'eau est dégueulasse, les amis. Dégueulasse. Voilà. Crevette. Vous coupez la petite queue là. Hop, la queue, je l'ai enlevée. Hameçon, crevette. C'est fait. Voilà, bon, à tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, ça a payé. Encore du merlan, les amis. Et là, c'est du crabe, mais non, c'est du merlan. Et franchement, ouais. Et voilà, petit merlan. Je suis pas bredouille. Yes. Dans le gozio. Fini. Bon, mes amis, pêche compliquée. Là, je vais essayer de remettre l'atteignant. Après, ça va être fini la pêche. Travailler et tout, alors que le week-end, alors j'en profite d'aller pêcher et tout. Après là, voilà, j'ai plus de crevettes, plus rien. J'ai ma petite dernière, 2-3 petits lancers avec un ténio. Parce que là, c'est vraiment très vite un merlan. Je crois que le merlan était déjà parti. Petite vidéo pêche un merlan de sortie. Je crois que le merlan qui était déjà parti, mais non, au ténio j'ai cassé 2 fois en GSI rouleur avec voilà, avec un leurre blanc pour voir s'il y avait un peu de barre à faire, mais rien du tout. C'était bizarre. L'eau, les amis, elle est noire de chez noir. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais la flotte elle est dégueulasse. J'ai l'habitude, je vais dans un coin pour faire quelques crevettes et tout, mais là, là, il n'y a rien du tout. À essayer ça un peu plus tard, clairement. Parce que là, c'est pas folichon. Hein. J'espère que cet été, on aura plus de chances de faire du beau poisson. Parce que là, cet hiver, il y a eu quelques merlans de sortie, des beaux. Quelques tacos de fées quand même. Mais le problème, c'est l'eau est dégueulasse ici. Alors, je sais pas si c'est la flotte ou quoi. Ça me fait chier quand même, clairement. Mais bon, on a la pêche. Là, bah là, ça va être la fin de la vidéo parce que là, pas plus de crevettes, voilà, clairement, pas plus du tout. Le seau est vide. Même en crevettes, les amis, c'est un peu compliqué quand même, quoi. Je me disais, bon, bah, j'espère que je vais faire pas mal de crevettes et tout pour cet été et tout.
là, rien, c'est que de la petite, quoi. C'est ça que. Mais bon, voilà, je vais commencer à envoyer tout doucement, tranquille. Ben, vous connaissez la chanson, les amis. Abonnez-vous, like, commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui partagent, ça fait vraiment plaisir. Et la pêche, les amis, ça va arriver. Voilà. Clairement, ça va arriver. Faut pas s'inquiéter. Même si je travaille, le week-end, je vais aller à la pêche. Il n'y a pas de soucis sur ça, les amis. Voilà. Et à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Salut les gars!